Peut-on imaginer un étudiant des beaux-arts en lui demandant non pas de créer une œuvre d'art, mais d'écrire une rédaction indiquant comment il créerait une telle œuvre? Dans le même ordre d'idée, peut-on imaginer évaluer un apprenti maçon en lui demandant non pas de bâtir un mur, mais de rédiger comment il s'acquitterait d'une telle tâche? Et pourtant, aujourd'hui, l'évaluation des jeunes informaticiens n'utilise que très rarement un ordinateur. Je suis persuadé que l'acquisition de la pensée algorithmique s'obtient en programmant. Faire donc évoluer cette regrettable situation peut être réalisé grâce à la correction automatisée d'exercices de programmation. La correction automatisée assure, côté enseignant, une inlassable uniformité de notation et l'éternité pour ses créations. Côté apprenant, une perpétuelle disponibilité associée à un aspect fortement professionnalisant qui s'inscrit dans un mouvement intitulé Test Driven Development, actuellement en expansion. Ce MOOC a donc pour sujet la correction automatisée, c'est-à-dire la conception d'exercices comportant un énoncé, une ou plusieurs solutions, mais surtout un correcteur. Ces trois éléments doivent être mutuellement cohérents, car la moindre erreur ou la moindre ambiguïté se paie au centuple, voire plus. Ce MOOC gratuit durera 4 semaines et présentera cette problématique, parlera de correction, de verbalisation, de notation, de maintenance, de séparation des rôles, de présentation, d'anonymat et de toutes sortes d'autres sujets connectés à mon expérience dans ce domaine depuis plus de 10 ans de correction automatisée. Les participants pourront s'exercer par petits groupes sur deux cas concrets. Le sujet du premier cas sera imposé, mais le second cas sera la création collective de chaque groupe et sera évalué par les groupes pairs. Le but est ainsi de faire découvrir, de faire expérimenter, puis de diffuser cette intéressante technique et enfin de bâtir une communauté autour de ces thèmes.